Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la valeur absolue. Sur notre chaîne YouTube, vous trouvez plusieurs vidéos en plusieurs matières. Maths, physique, sciences, anglais, français, arabe, économie et gestion. Merci de s'abonner à notre chaîne YouTube. Merci de cliquer la mention j'aime et de partager notre vidéo. Sur la plateforme www.lva-6academy.com, vous trouvez des résumés de cours, des exercices, des devoirs avec la correction détaillée. Aussi, LVA Academy ou bien La Valeur Absolue est un site éducatif qui offre une assistance en ligne 7 jours sur 7 jours. L'assistance est individuelle. Chacun apprend à son rythme, chaque élève est tête à tête avec son prof, donc bienvenue chez nous. Pour toute information, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook LVA Academy et voilà notre logo. Aujourd'hui, on va corriger un exercice sur l'expression de la cause pour les élèves de 9e année. Tout d'abord, un petit rappel, on va définir la cause. Donc, la cause est la raison d'un fait ou d'une action qui répond à la question pourquoi ou bien pour quelle raison. Pour exprimer la cause dans la phrase simple, on peut employer à cause de, qui exprime une cause négative, grâce à, qui exprime une cause positive, sous prétexte de, qui exprime une fausse cause, etc. Dans la phrase complexe, on exprime la cause par, parce que, comme qui doit être toujours en tête de phrase, parce que comme au milieu de la phrase exprime la comparaison. Sous prétexte que, vu que, puisque, etc. Donc, vous trouvez le résumé détaillé sur ce cours sur la plateforme. Liheya www.lva-6academy.com. On va commencer par la correction de l'exercice. La question c'est construisez à partir des propositions indépendantes proposées des phrases complexes par subordination pour exprimer la cause. Donc, dans cet exercice, il nous a donné deux phrases indépendantes, chacune à part. La première phrase, les jeunes regardent beaucoup la télévision. La deuxième indépendante, le cinéma est en crise. Tout d'abord, on va chercher la cause dans ces deux phrases. Quelle est la cause parmi ces deux indépendantes? Donc, pourquoi les jeunes regardent beaucoup la télévision? Parce que le cinéma est en crise. Donc, ici, on peut exprimer la cause par comme, ou bien par puisque, ou bien par parce que, ou bien par vu que, ou bien par sous prétexte que. Quand le cinéma est en crise, les jeunes regardent beaucoup la télévision. On peut aussi dire les jeunes regardent beaucoup la télévision parce que le cinéma est en crise. Puisque le cinéma est en crise, les jeunes regardent beaucoup la télévision. Ici, je rappelle que la locution conjonctive qui exprime la cause doit être placée avant la cause. Avant la cause. Donc ici, c'est notre subordonnée et les jeunes regardent beaucoup la télévision, c'est la principale. La deuxième phrase. Vous n'avez pas 18 ans. Vous avez besoin
d'une autorisation parentale. Comme d'habitude, on va chercher la cause. Vous avez besoin d'une autorisation parentale pourquoi? Pour quelle raison? Car, parce que vous n'avez pas 18 ans. Puisque vous n'avez pas 18 ans, vous avez besoin d'une autorisation parentale. Vous avez besoin d'une autorisation parentale parce que vous n'avez pas 18 ans. D'accord? La troisième phrase. Il est malade. Il ne s'est pas présenté à l'examen. Il ne s'est pas présenté à l'examen. La cause, la raison, il est malade. Comme il est malade, il ne s'est pas présenté à l'examen. J'ai travaillé cette phrase avec la locution « vu que ». Vu qu'il est malade, il ne s'est pas présenté à l'examen. Puisque il est malade, il ne s'est pas présenté à l'examen. Comme il est malade, il ne s'est pas présenté à l'examen. Parce que on ne peut pas jamais, on ne peut jamais commencer une phrase par « parce que ». Si vous voulez, on peut employer la locution conjonctive « parce que ». Vous commencez votre phrase par la principale et puis vous mettez la subordonnée. Comme ainsi, « il ne s'est pas présenté à l'examen parce qu'il est malade ». Cette phrase est tirée du concours 2017. Émile a fourni des efforts considérables. Il a amélioré ses performances. La cause ici, où est-elle? Émile a fourni des efforts considérables. Très bien. Celle-là est une autre cause. Comme Émile a fourni des efforts considérables, il a amélioré ses performances. Il a amélioré ses performances parce qu'il a fourni des efforts considérables. Puisque Émile a fourni des efforts considérables, il a amélioré ses performances. Vu qu'il a fourni des efforts considérables, Émile a amélioré ses performances. Voilà donc, comme j'ai dit tout à l'heure, que le reste de ce cours, le résumé de cette leçon est bien détaillé sur notre plateforme www.lva-de6academy. Si vous avez des questions, si vous avez quelque chose flou, si vous avez des demandes, si vous avez besoin d'une série de résumés, si vous avez besoin des exercices, si vous avez besoin de réviser, de préparer votre concours, n'hésitez pas de nous visiter sur notre plateforme www.lva-de6.com pour améliorer vos résultats. Je rappelle, mes chers amis, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne YouTube qui est pleine de vidéos en maths, en physique, en sciences, économie et gestion bien évidemment, français bien sûr, anglais et arabe. La plateforme aussi est riche de correction des séries de de 9e année, du concours de 9e année, en maths surtout. En mathématiques, vous trouvez les concours avec la correction. Et vous trouvez aussi des vidéos, فيهم la correction dans les concours de maths. Donc, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne YouTube de la valeur absolue. Bienvenue chez nous, bienvenue à la LVA Academy. À
très bientôt. Bonne révision, bonne chance et bon courage.